Bonjour. Donc, l'objectif ici est de montrer le passage de la limite continue pour la gaussienne. Limite continue étant celle qu'on trouve lorsque le nombre de pas est très, très grand. Donc, prenons par exemple tout d'abord 2000 pas et puis on va juste tracer la gaussienne. Comme vous voyez, il y a un maximum autour de la probabilité autour de 400 pas. C'est ce à quoi on s'attend puisque 0,2 fois 2000, ça donne 400. Et puis, il y a une largeur qui est relativement étroite par rapport à la position du maximum ici. Mais si on veut voir un peu ce qui se passe plus en détail autour du maximum, alors je vais tracer un intervalle qui est entre 380 et 420. Alors, vous voyez que finalement, la probabilité varie très, très lentement autour de ce maximum. Donc, si je veux savoir, par exemple, la probabilité de faire un nombre quelconque de pas compris entre 398 et 402, je n'ai qu'à multiplier la probabilité à 400 par le nombre de pas compris entre 398 et 402, donc 4 pas. Voilà.